Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les tableaux. Après avoir démarré le serveur, j'ouvre l'éditeur et je déclare un tableau. Je donne comme nom, famille, ville, voilà, égale, ré. Voici la procédure pour déclarer un tableau sans éléments. Ce tableau, il est vide. Et pour afficher, j'utilise la fonction println et j'écris, je donne comme paramètre le nom du tableau. Famille Adil. Voilà. J'insère un retour à la ligne. Pardon, BR. Voilà. J'enregistre. Je donne comme nom exercice 4.php. Voilà, j'enregistre et j'ouvre le navigateur pour exécuter. Voilà. Et là, on marque qu'il y a une erreur dans la ligne 17. La bête noire des programmeurs, c'est les erreurs et les bugs. C'est pour ça. Les créateurs de PHP Designer ont mis au point un outil pour découvrir les erreurs au moment de la saisie du code. Pour l'activer, je clique sur le menu Outils, Préférences et Vérifier la syntaxe. Et je coche Activer la vérification directe de la syntaxe. Accepter. Voilà. Il a mis une croix rouge auprès de la ligne 17. Ça veut dire deux choses. Ou bien cette ligne est erronée, ou bien la ligne précédente, il y a omission de point-virgule. C'est le cas. Donc, j'ai mis le point-virgule. Remarquez que la croix a disparu. J'enregistre. Je donne quelques... Je déclare un tableau avec 5 éléments. 12, 2, 55, 6 et 8. J'enregistre et j'affiche. Remarquez que voici l'indice et l'élément. L'indice, l'élément. L'indice, l'élément. L'indice, l'élément. Remarquez que les indices commencent de 0. 0, 1, 2, etc. Jusqu'à l'infini. Selon le nombre d'éléments du tableau. Je retourne au PHP Designer et j'efface ces éléments pour les insérer d'une autre façon. Les familles, Adil, j'insère les crochets, 2 points, égale 12. Voilà, je mets rien ici. Deuxième ligne, comme ça, je mets 2, et ainsi de suite. 55. 6 et 8. Et voilà. Maintenant, j'affiche print R et j'écris, je donne comme paramètre la variable tableau. Variable du tableau. Point virgule. J'enregistre et j'affiche. Voilà. Le premier. Le tableau est vide ici. Ici, le tableau, il est plein. 5 éléments, les mêmes éléments. Donc, c'est le même résultat. Il affiche un tableau vide. Ici, il affiche un tableau plein de 5 éléments. Voilà. Si on n'écrit rien ici, le programme numérote automatiquement ces valeurs qu'on a insérées. Il commence de 0 jusqu'à l'infini. Mais ça pose un problème pour le programmeur parce qu'il ne sait pas quel indice correspond à la valeur. S'il veut afficher une valeur, il ne sait pas l'indice. Alors, il vaut mieux écrire du texte ici. Par exemple, j'écris Jamal, la valeur correspondante c'est 12, et Kamal, voilà, Amine, Bilal et
Shakib. C'est bon? J'enregistre et j'affiche. Remarquez que Jamal correspond à 12, Kamal à 2, Amin 55, Bilal 6 et Shakib 8. C'est facile ou bien c'est pratique pour le programmeur d'écrire comme ça. Maintenant, je déclare un autre tableau d'une autre famille. Famille. Maintenant, j'écris famille Driss. Voilà. Égal. Ré. Point virgule. Et je commence à insérer les valeurs de la même façon. Famille Driss. Oui. Le crochet égal 10. Voilà. 20 égal 20. Pardon. Oui. 5. Voilà. Égal 18. Égal 32. Hein, égal 30. Et j'affiche le tableau. Print R et ami Driss. Voilà. Point virgule. J'enregistre. Ah, j'ai oublié d'écrire le nom. Mary. Jawad. Karim. Kenza. Et Malik. J'enregistre. Et j'affiche. Voilà. Remarquez qu'il y a un affichage dans la même ligne. Je vais retourner à l'éditeur et j'insère un retour à la ligne. Écho. Voilà. J'enregistre. Voilà. Remarquez, Mary, chaque nom correspond à une valeur. Bien. On efface cette ligne, il n'affiche que qu'un tableau vide, on efface, et on insère, ou bien on va réécrire la famille de Driss d'une autre façon. Famille. Voilà. Égal. Array. On va l'écrire d'une autre façon. J'écris Mary dix virgule, pardon, virgule, Jawad 20, Karim 5, Kenza 18, et Malika 32. On peut. C'est une autre façon de déclarer ou bien de déclarer un tableau dans une seule ligne. J'affiche print R et famille Driss. Voilà, point virgule. Pour insérer un retour à la ligne. Écho. Voilà, j'enregistre et on affiche. Marqué, c'est le même résultat.
peut déclarer de cette façon et de l'autre façon. Maintenant, on efface le tableau famille Drix parce qu'on l'a déclaré, on l'a écrit dans une seule ligne. Voilà. Maintenant, je déclare un autre variable tableau. J'écris famille Drix num égal array, voilà, 10, 20, 5, 8, et 1. Ce tableau-là est le même que, il a le même donné que famille Drix. La différence, c'est que les indices de ce tableau sont des textes. Et les indices de ce tableau sont du numéro. Ils vont commencer de 0, 1, 2, jusqu'à l'infini. Jusqu'à la fin des éléments. La fin du nombre des éléments. J'enregistre. On supprime ces deux instructions. Et on affiche. On insère d'abord un retour à la ligne et on affiche le nouveau tableau famille Drix, voilà, point virgule, on enregistre encore et on affiche, voilà, marqué ici les valeurs de ce tableau sont les mêmes de celui-là. La seule différence est que les indices de ce tableau sont des textes et les indices de celui-là sont des numéros. Donc, on va faire un petit affichage. On affiche la valeur correspondante à Karim en utilisant les deux indices. L'indice textuel, le point, on écrit famille Drix, crochet, on va écrire dedans Karim, voilà, point, un retour à la ligne, voilà, point virgule. Maintenant, en utilisant, on va utiliser l'indice numérique. L'indice numérique, on va écrire famille Drix, voilà, nom, crochet, écrire droit. Hein? Et voilà. On enregistre et on affiche. Il manque un saut de ligne ici. Je le mets là. J'enregistre et je réaffiche. Voilà. Remarquez que la réponse correcte, c'est celle de l'indice textuel. Vous voyez, l'indice numérique n'a pas donné la même réponse. Pour régler ce problème, on retourne au code et on modifie le 3 et on met le 2 pour que les résultats soient les mêmes. J'utilise, voilà, 5. Vous avez vu que l'utilisation des indices textes est plus facile et pratique que d'utiliser les indices numériques. On retourne au code. Maintenant, on va afficher
les éléments du tableau d'une autre façon. On doit utiliser l'instruction for each. For each, on ouvre la parenthèse, on écrit le tableau famille. Famille Adil. Oui. La clause, ou bien le mot-clé as. Et la variable k, où va être stocké les indices, et la variable val, où vont être stockées les valeurs, ou bien les éléments du tableau. On ouvre l'accolade, et le code qu'on écrira ici sera exécuté sur chaque élément de ce tableau. For each, c'est une instruction itérative. Un écho, oui, on va écrire k a val 1. Oui, sort de ligne, point virgule. J'enregistre et j'exécute. Vous voyez le résultat? Jamal a 12 ans. Kamal a 2 ans, Amine a 55 ans, Bilal 6 ans, Shakib 8 ans, etc. On va écrire VR du texte pour savoir ou bien pour déterminer le résultat de la fonction isort. La fonction isort. Cette fonction-là permet de trier les éléments du tableau au sens ascendant. On écrit isort et le nom du tableau. Voilà. On passe maintenant à l'autre fonction, echo. La fonction ER sort. D'abord, il y a une petite erreur là. Je pense que j'ai oublié un point virgule. Voilà. La fonction ESort. Oui. Point virgule. Pour. J'écris aussi. J'écris ER sort. Cette fonction là permet de faire la même chose que isort, mais au sens inverse, c'est-à-dire il met en ordre les éléments du tableau au sens descendant. Echo, une autre fonction, la fonction keySort. Celle-ci permet de trier les indices du tableau au sens ascendant. Key sort. Voilà. La dernière fonction, echo. La fonction key are sort. Oui, on écrit qui are sort. Celle-ci permet de trier les indices du tableau au sens descendant. Voilà. J'enregistre et j'affiche. Vous voyez? Ici, la fonction isort, il a trié les éléments. 2, 6, 8, 12, 55. IR sort, c'est au sens inverse, c'est-à-dire 2, 6. Qui sort, il trie les indices. Amine, B, Bilal, C, Shakib, J, Jamal, K, Kamel. Voilà. Qui ressort, c'est le sens inverse. Voilà.
retourne au PHP Designer. Maintenant, vous pouvez faire autant de tests que vous voulez sur ces fonctions-là. C'est tout pour aujourd'hui. À un prochain cours.